Pour le gâteau, bien sûr, on va les bons. Après le métro de Londres, c'est le deuxième. Nous sommes en Europe, de l'autre côté c'est l'Asie. La carte, là où... Là, vous voyez beaucoup de jeunes, et bien c'est et la pensée sur le mentalité que la pensée sur
L'eau. En disant mon nom, je vois par puissance, puissance. C'est Agamemnon, Agamemnon. Mais c'était une scène portative, on le sait, parce que la voix en face du théâtre se. On sculptait des phallus qu'on portait en triomphe. Vous faisiez de nos chattes de subtiles déesses. Et les femmes de Zeus, après l'enfantement, ne nous faisaient pas croire qu'elles étaient toujours vierges. Vous coulez dans l'Olympe une douce retraite. C'est votre successeur qui s'occupe de tout. Mais à la vérité, il est moins drôle que vous. Bravo!
Le athlétisme, ce sont les activités sportives. Un peu désorganisé, puisque c'était des athlètes et souvent ils étaient nus. Sept dormants étaient dans la ville d'Éphèse. Or, l'empereur Décius, le persécuteur des chrétiens, était venu à Éphèse, et sept chrétiens d'Éphèse, ayant horreur de sacrifier aux idoles, ils restaient cachés dans leur maison, jeûnaient et priaient. Leur absence ne tarda pas à être remarquée. Ils furent donc saisis et conduits devant Décius, l'empereur, qui, sur leur aveu, qu'ils étaient chrétiens, ne voulut point les condamner de suite, mais leur fixa un délai jusqu'à son retour, afin qu'ils eussent le temps de réfléchir et de se rétracter. Mais eux, après avoir distribué leurs biens aux pauvres, ils se réfugièrent sur le mont Célion et prirent le parti d'y vivre cachés. Dieu voulut que soudain, ils s'endormissent, tous les sept. On lui dit que les sept officiers étaient allés se cacher sur le mont Célion. Fit obstruer de pierre l'entrée de la caverne afin qu'ils y mourussent d'épuisement. Or, longtemps après la mort de Décius, ce que voyant Dieu, il inspira un certain habitant d'Éphèse de faire construire des étables sur le mont Célion. Et lorsque les maçons ouvrirent la caverne, les sept dormants se réveillèrent. Thank you.
Allez, on fout le poids. Mon arme ne perd pas de dénivelé. Je peux te laisser la place. Là vous allez mieux, hein, c'est la berre. Hein. Vous avez les tickets pour partir. Ah oui. Les femmes derrière. Les fauteuils sont très confortables. Il manque seulement un petit coussin. Mais à part ça, Madame la Marquise, tout va très bien, tout va très bien.